Bonjour, je m'appelle Isabelle Marin, je suis médecin de soins palliatifs et j'ai travaillé 30 ans dans un hôpital de Seine-Saint-Denis où je me suis beaucoup occupée de précarité. À ma retraite, j'ai pris la coordination d'un LARM, une nouvelle structure qui concerne les précaires très malades, les très grands précaires très malades. Cette structure va au bout de la chaîne de toutes les structures d'hébergement pour précaires, depuis les CHU, CHRS, les places d'hôtel, les LHSS, qui s'occupaient déjà un peu des malades, mais dont on s'est aperçu que les patients restaient beaucoup plus longtemps que prévu. Les LARM sont donc la seule structure qui est pérenne dans tout ce champ de structures d'hébergement. J'ai été donc médecin coordinateur de cette structure, qui est au bout de la chaîne, et qui présente donc un concentré de toutes les contradictions du système. Et c'est ces contradictions que j'ai voulu un peu vous exposer dans ce livre « Les SDF se cachent-ils pour mourir ?» À partir d'une part du recueil des demandes d'hébergement de cette structure, qui reflète un peu l'état de la précarité sur toute l'Île-de-France, à partir d'entretiens avec l'ensemble du personnel, à partir des parcours de vie des résidents, j'ai pu comme ça dégager plusieurs axes. D'abord, le fait que cette précarité est en fait une précarité prescrite. La plupart des résidents sont en fait des étrangers sans papier, mais qui sont en France depuis longtemps. La moyenne de séjour en France est de 18 ans. La médiane est à 8 ans. C'est dire un peu que ces étrangers ne sont pas des nouvellement arrivés, mais des gens qui sont déjà insérés dans le milieu français et qui devraient avoir eu des papiers depuis longtemps. Certains les ont eus et les ont perdus d'ailleurs. Et donc ces structures-là reflètent un peu les difficultés, les ratés surtout de notre politique d'immigration qui fabrique cette précarité. On voit aussi que c'est une structure qui est sur le même modèle que toutes les structures d'hébergement, c'est-à-dire un modèle à la fois d'urgence, de médecine militaire, et donc un modèle en fait finalement très hospitalier et tout à fait inadéquat pour servir de lieu de vie à ses résidents. Et alors que le médico-social essaye de se détacher du médical, il reste inféodé totalement aux structures hospitalières et va d'ailleurs toujours externaliser tous les problèmes sur le médical. Dès qu'il y a un souci entre résidents, dès qu'il y a un conflit, la première question est-ce que c'est la pathologie qui pourrait expliquer le conflit? Et la première démarche faite par les directions sont toujours de renvoyer les patients sur l'hôpital. Enfin, alors que ces structures hébergent des très malades et qu'on sait que les précaires ont des espérances de vie très limitées, on sait que les SDF ont une espérance de vie à 50 ans à peu près, rien n'a été pensé pour la fin de vie de ces patients, alors même qu'ils sont porteurs de cancers sévères ou de maladies très graves. Et donc c'est au cours de la montée en charge de cette structure qu'on s'est aperçu que les patients en effet allaient être en fin de vie et avec des grandes difficultés puisque ça n'avait pas été pensé et que ce qui avait toujours été imaginé, toujours, c'est qu'ils allaient retourner sur l'hôpital pour mourir à l'hôpital. Contrairement à ce qui est le but même de ces structures, qui est de leur offrir un lieu de vie. Et on sait bien que le lieu de vie, c'est aussi le lieu de mort des patients. Donc c'est tout ça que j'ai essayé de montrer dans ce livre, qui reflète aussi la vie de ces structures, une vie qui est très riche par ailleurs, et qui peut peut-être aussi nous donner un aperçu de l'ensemble de ces étrangers qui viennent chez nous, qui ne sont pas accueillis et qui meurent chez nous, même s'ils veulent mourir ailleurs. Je vous remercie.